Bonjour à tous. Voici donc le cas clinique de la patiente qui va être opérée par Pierre-Henri Flurin tout de suite après. C'est une patiente qui a 87 ans, qui se plaint de douleurs d'épaule depuis 5 à 10 ans. Elle a été déjà infiltrée à 3 reprises au moins. Elle était très récemment hospitalisée dans un service de rhumatologie sous morphine devant l'importance de ces phénomènes douloureux. À l'examen clinique, une élévation qui est très limitée, pas plus de 60 degrés, une abduction qui est également limitée à 45 degrés, une rotation externe coude au corps qui est nulle, la rotation interne est également très limitée au niveau de la hanche, et c'est une épaule qui n'a plus du tout de force puisque le test de Job est inférieur à 1 kg. Voici sa radio sur laquelle on voit tous les signes d'une omarthrose excentrée avec un pincement gléno-huméral à prédominance supérieure, un pincement sous-acromial et une acétabulisation de l'acromion. Alors, voilà ce qui est prévu dans le planning opératoire, c'est la mise en place d'une prothèse totale d'épaule inversée qui est bien adaptée à la prise en charge de ces omarthroses sur excentration de la tête humérale, où finalement on renverse l'anatomie, on médialise le centre de rotation, on abaisse l'humérus et on retend comme ça le deltoïde qui, dans cette prothèse, est le seul moteur de l'élévation antérieure active. Pierre nous a montré donc cette indication de prothèse totale d'épaule inversée qui semble tout à fait caractéristique. Maintenant, je vais vous montrer la technique opératoire. Alors, j'ai déjà un petit peu avancé dans la voie d'abord. Donc, on va changer le plan de caméra et vous montrer la voie d'abord de cette épaule. Donc là, vous voyez la voie d'abord de cette prothèse d'épaule. Il s'agit d'une voie delto-pectorale. Donc, on va partir à peu près du niveau de la clavicule et aller en regard de l'insertion du deltoïde. On va mettre un premier écarteur qui va nous permettre de montrer le sillon delto-pectoral. Voilà. Donc, le sillon delto-pectoral, c'est le sillon entre le deltoïde que vous voyez ici et le muscle pectoral. Le grand pectoral que vous voyez ici, on a simplement décisé, ouvert ce sillon à côté de la veine céphalique qui marque ce sillon. Et puis, on va passer maintenant dans le plan inférieur, c'est-à-dire sous ce plan musculaire, sans aucune section musculaire. Ce qui est très important pour ce type de prothèse, c'est de respecter absolument les plans musculaires et en particulier le deltoïde, qui est le moteur de l'élévation. Donc le deuxième plan, c'est le plan du tendon conjoint avec l'apophyse coracoïde que vous voyez sans doute ici et le tendon conjoint qui part de l'apophyse coracoïde. Donc on a libéré ce tendon conjoint jusqu'à l'insertion du grand pectoral et on va passer notre écarteur sous le tendon conjoint. Voilà. Et en passant l'écarteur sous le tendon conjoint, on arrive sur le plan du sous-scapulaire. Alors le sous-scapulaire est ici, entre le bord supérieur du sous-scapulaire ici et le bord inférieur du sous-scapulaire là. L'humérus est ici, donc l'insertion du sous-scapulaire est ici. Et on va procéder à la section du tendon du sous-scapulaire que l'on réparera en fin d'intervention pour accéder à l'articulation. Donc je mets un autre écarteur pour y accéder. Les ciseaux, s'il vous plaît. Alors, on va peut-être enlever celui-là. Ouais. Alors voilà, là je mets en place un ciseau sous le tendon du sous-scapulaire. On va enlever un peu les tissus qui se projettent dessus. J'enlève un peu de bourse séreuse en regard du tendon du sous-scapulaire, de façon à pouvoir le... Alors, on a même des petits corps étrangers. Hop, Noureddine, je ne sais pas si vous voyez le corps étranger aspiré. Alors, c'est des petits fragments cartilagineux qui commencent à apparaître. Alors, vous voyez ici, là, ce dépôt blanchâtre, c'est du produit d'infiltration qui a un petit peu attaqué le tendon du sous-scapulaire. Donc... On va placer un fil repère sur le tendon du sous-scapulaire.
Donc voilà notre fil repère en place. Et maintenant, je peux sectionner mon tendon sur le ciseau. Donc le ciseau protège les plans profonds et permet de faire une section très rectiligne du tendon du sous-scapulaire. Voilà. Enlever le ciseau. Et on va commencer à voir apparaître la tête humérale. Voilà, donc je continue ma libération en rotation externe. Et maintenant, donc on va voir apparaître la tête humérale. Voilà. Donc vous voyez que une fois le tendon du sous-scapulaire ouvert, j'espère que vous voyez bien sur l'écran, oui je pense. Est-ce que tu m'entends, Pierre-Henri ? On va pouvoir voir la tête humérale. Alors c'est une tête complètement décoiffée. Il n'y a plus du tout de coiffe des rotateurs. Ici, on a des vestiges de l'insertion du sous-scapulaire. On a une gouttière du lombiceps complètement vide. Et une absence complète de coiffe supérieure. Voilà le Noureddine. Oui. Maintenant, pour mettre en place la prothèse, on va faire la coupe de la tête humérale. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai coupé la tête. Magali. J'ai effectué ma coupe d'humérus, j'ai mis en place une tige d'essai, hein, après un alésage tout à fait simple, et j'ai mis une platine de protection sur la coupe humérale. Donc cette platine de protection va protéger ma coupe pendant tout le temps glénoïdien de l'intervention, et cette platine d'essai va aussi me servir un petit peu d'écarteur, c'est-à-dire que je la mets derrière la glène. Alors, je ne sais pas si on voit bien, là. Écoute, on voit assez bien cette platine, effectivement. Donc, tu la pousses derrière la partie postérieure de la glène, c'est ça ? Voilà. Oui. Et là, je vais commencer à faire le nettoyage, le débridement de ma glène. Hein, donc, voilà. Je vais réséquer aussi le bourrelet, je vais libérer le sous-scapulaire. Donc le sous-scapulaire, je ne sais pas, je pense que vous le voyez bien ici, oui. Oui, parfaitement. Donc, bien. On va continuer à libérer le sous-scapulaire pour le dégager et le rallonger pour le réparer en fin d'intervention. Voilà. Voilà. Donc... libérer un petit peu au doigt aussi. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir pousser mon tendon du sous-scapulaire avec une compresse de façon à ce qu'il s'efface hors de la voie d'abord. Voilà. Donc, on a toujours le petit fil qui va permettre de le récupérer par la suite. Donc, vous voyez la glène de l'omoplate. Donc, je l'ai préparée, je l'ai avivée. J'ai creusé un plomb central pour ancrer ma prothèse, et Magali va nous donner la prothèse, on va la mettre en place. Donc c'est la platine glénoïdienne. Donc vous voyez voilà, là on commence à la voir, là, ça y est. Voilà, donc avec un plot réhabitable au centre, à l'intérieur duquel on a mis de la greffe. Je pense que vous devez voir la greffe osseuse à l'intérieur. Oui, on aperçoit... Et ce plot réhabitable va venir se loger dans le trou que j'ai préparé pour ancrer cette prothèse. Donc, vous voyez, on engage la prothèse glénoïdienne ou la platine glénoïdienne. Et on va bien l'impacter sur la glène de la patiente. Voilà. Donc, maintenant, je vais fixer cette prothèse. Enfin, je vais assurer la fixation de cette prothèse avec des vis. Je vais vous montrer la première vis et ensuite on va rendre l'antenne à Vincent. Et quand vous reviendrez dans la salle, on aura mis en place la glénosphère. Donc je vous montre juste le perçage du premier trou
Et puis ensuite, on rend l'antenne. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, très j'ai bien, un code très couleur bien. Qui me permet de savoir quelle est la profondeur exacte. Là, je sais que j'ai besoin d'une vis de profondeur orange. Donc, on va sortir une vis orange, Sylvie, s'il vous plaît. Vous voyez ici l'humérus qu'on a préparé pour recevoir la prothèse. En profondeur, vous voyez la glénosphère, donc la sphère métallique qu'on a mis en place sur la platine glénoïdienne que vous avez vue tout à l'heure. Et maintenant, on va mettre en place la tige humérale. Alors, vous voyez que cet humérus est complètement déshabité. Il est très, très ostéoporotique. Donc, on met une tige à presse-fit, c'est-à-dire une tige qui va venir s'auto-bloquer, vous voyez, qui est un petit peu difficile à positionner, qui va venir s'auto-bloquer dans l'humérus. Donc, on va l'impacter légèrement. Voilà. Donc, voilà la cupule humérale qui va venir s'articuler sur la glénosphère. Donc, je vous montre la réduction de la prothèse. Voilà. Donc, voilà la prothèse en place, réduite. Je ne sais pas si vous voyez le mouvement de la prothèse avec l'articulation de cette glénosphère et de la cupule humérale. Écoute, et on donc, voit... c'est grâce à ce système, comme vous l'a peut-être expliqué tout à l'heure Pierre Abadi, non, que le deltoïde va pouvoir réactiver l'abduction de cette épaule qui était compromise par l'absence de coiffe des rotateurs. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as réglé l'épaisseur de l'insert en polyéthylène? Ben, voilà, on a plusieurs épaisseurs de polyéthylène, plusieurs épaisseurs aussi de cupules métalliques au niveau de l'humérus qui permettent de parfaitement ajuster la tension du deltoïde. Le but est de remettre en tension le deltoïde pour lui donner le meilleur moment de force possible. Mais il ne faut pas non plus trop le tendre. Donc il y a un réglage assez fin à faire qui permet d'avoir d'une part une bonne stabilité de la prothèse et d'autre part une bonne action mécanique du deltoïde en évitant toute surtension qui peut être générateur soit de douleur, soit même dans certains cas de fracture de fatigue de l'acromion. C'est une complication rare mais qui peut exister lorsque l'acromion est très ostéoporotique et que le deltoïde est extrêmement tendu. Alors avec cette nouvelle, la première génération de prothèses inversées, qui est encore actuellement très répandue, est une génération de prothèses inversées qui est relativement instable. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de luxation qui est de l'ordre de 4 à 5% pour ces prothèses. Et avec cette nouvelle génération de prothèses inversées, on a plus d'accidents d'instabilité. C'est-à-dire ces prothèses qui sont complètement auto-stables. Depuis 2007, ici, avec cette nouvelle génération de prothèses, nous n'avons pas eu des ciseaux, Nathalie Magali. Nous n'avons pas eu d'accident de luxation. Donc, ça permet de mettre un peu moins de tension au niveau du deltoïde. L'autre élément qui assure la stabilité de la prothèse, c'est la réparation du sous-scapulaire. Donc là, c'est ce que je viens de faire. Je pense que vous le voyez peut-être à l'écran. Très bien. Sous-scapulaire qui est retendu devant la prothèse et qui assure aussi une certaine stabilité de cette prothèse.